Cher Scorpion, il semble que ta relation avec ta flamme jumelle traverse une période remplie de défis et d'épreuves. Il y a des sentiments profonds d'amour et un désir de connexion émotionnelle, mais des obstacles évidents empêchent la progression de la relation. En ce moment, chaque personne dans la relation essaye de maintenir sa position ou de prouver quelque chose à l'autre, ce qui crée une forme de conflit ou de tension intérieure. L'autre personne dans ta relation pourrait être en train de faire face à des difficultés personnelles, ce qui la rend incapable de communiquer de la manière dont tu l'espérais. Il y a une forte tendance à s'accrocher à certaines idées ou comportements, comme si lâcher prise représentait un danger. Peut-être que l'un de vous cherche à contrôler la situation ou à gérer complètement la direction de la relation, ce qui ajoute encore plus de pression. Pour surmonter cela, il sera nécessaire de faire preuve de plus de flexibilité et de compréhension mutuelle afin de parvenir à un équilibre. Les derniers temps ont été difficiles. Il semble que tu aies fait face à beaucoup de défis et de pressions. Que ce soit émotionnellement ou mentalement, l'un de vous est sous beaucoup de stress, luttant pour maintenir la relation. Mais malgré toutes ces difficultés, tu as continué à te battre pour cette relation, ce qui montre ta persévérance et ta force. Tu sais que chaque relation authentique traverse des moments difficiles comme ceci. L'avenir pourrait être plus lumineux. Il y a une opportunité pour toi d'atteindre un certain équilibre et la stabilité que tu recherches. Bientôt, tu pourrais ressentir un sentiment de célébration ou de bonheur partagé. Cela pourrait être le résultat du dépassement des défis passés et du sentiment de paix intérieure que tu pourras retrouver avec ta flamme jumelle. Il semble que cette relation entre dans une nouvelle phase de positivité et de stabilité accrue. D'un autre côté, cette relation comporte également une dimension spirituelle profonde. Il y a peut-être des leçons spirituelles ou des messages importants que tu dois comprendre à travers cette relation. Il est possible aussi qu'une personne dans ta vie joue un rôle de mentor ou de guide spirituel qui t'aide à mieux comprendre la nature de cette connexion. Se concentrer sur cet aspect spirituel pourrait être essentiel pour naviguer dans les défis futurs. Malgré toutes les épreuves, il y a encore de l'espoir et des opportunités pour faire progresser cette relation. L'essentiel est de rester honnête avec toi-même et avec ta flamme jumelle, tout en étant prêt à construire cette relation sur des bases plus solides et plus profondes. Les moments difficiles font partie du chemin. Et c'est en les affrontant avec courage que tu pourras sortir plus fort. En fin de compte, cette relation avec ta flamme jumelle est pleine de défis. Mais avec des efforts et de la compréhension, il existe une réelle opportunité de parvenir à la stabilité et au bonheur partagé. Il est essentiel de faire face à ces défis avec courage et d'être prêt à reconstruire cette relation sur des bases plus solides. Les signes astrologiques présents dans cette lecture sont Gémeaux, Cancer, Lion, Capricorne, Bélier et Poissons.